À Patrimonio hier soir, c'était la nuit américaine. En tête d'affiche, le guitariste hors norme Richie Kotzen. Rock, jazz, soul, le musicien surdoué sait tout faire, tout jouer. Unique, éclectique, le natif de Philadelphie a un son bien à lui qu'il ne veut pas forcément définir. Je pense que la musique est faite pour être écoutée. Chaque fois que vous essayez de définir la manière dont vous jouez, peu importe qui vous êtes, c'est presque impossible. Il est beaucoup plus simple d'écouter la musique, à ce moment-là, les choses sont beaucoup plus claires. Avant le roi de la côte Est, Eric Gale, un prince venu de Memphis. Gaucher surdoué, héritier de Jimi Hendrix, il a enflammé la scène en première partie. Après le show, séquence photo, dédicace et même un peu de tendresse pour le plus grand plaisir des spectateurs. C'est génial, je pense que ce festival est une initiative fantastique, j'aime vraiment beaucoup, je savais même pas que ça existait. C'était chouette, ça donne envie de revenir. Ça donne envie de revenir et on y reviendra. Les Nuits de la Guitare de Patrimonio, c'est jusqu'au 27 juillet prochain. Et en attendant, vous reprendrez bien un peu de Richie Kotzen.